C'est que le cardinal Moussengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreuses, qui grâce au cardinal Moussengo ont de l'avenir. Il était aussi dur avec la classe politique. Parfois, il avait des boutures envers la classe politique. Oui, il était sévère à l'égard de tout le monde. C'est l'attitude de tout parent. L'attitude de tout bon parent. D'être sévère quand on veut du bien pour son pays, pour ses frères et pour ses soeurs. Là, c'est correct. Il était exigeant. Est-ce que vous avez l'impression que son exigence a contribué à redresser un petit peu la vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avions changé suite au conseil du cardinal, suite à son encadrement. Il n'a abandonné personne. Tous ceux qui ont voulu aller vers lui, il les a bien accueillis et il les a bien encadrés. Vous attendez de même de la part du cardinal Ambongo? Oui, nous sommes en contact avec le cardinal Ambongo. Nous disons là, nous comme catholiques, ce que nous voulons que ça se fasse. Et le cardinal aussi est accessible. Monsieur le Président, en tant que fidèle, quelle parole, quel souvenir gardez-vous? Quel souvenir gardez-vous? Le cardinal Moussengo Bassigna, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays. Moi particulièrement pour avoir travaillé avec lui depuis la conférence nationale souveraine en tant que président de la société civile. Et vous savez, il était membre de notre organisation. Nous avons beaucoup fait avec lui. Et je peux dire qu'il a beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui le pays soit uni. Peut-être les gens oublient très vite que le pays était divisé en plusieurs administrations, plusieurs partis. Il y avait le RCD Goma, il y avait le MLC, il y avait d'autres factions. Le pays était déchiré. Mais comme nous savions qu'il avait plusieurs tours dans les manches,
Il a réussi d'abord à remettre tout le monde autour de la table. Parce que comme vous le savez, ceux qui détenaient le pouvoir, qui était incarné par le maréchal Mobutu, n'était pas prêt à laisser. Et les autres aussi, ils ont dit non, nous devons continuer à nous battre. Et donc c'était une confrontation qui aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi elle aurait abouti. N'eût été la présence du cardinal Mosengo qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Badolité, qui a tout fait pour que la classe politique se mette ensemble de manière à ce que nous puissions tous bâtir un Congo nouveau. Il y a contribué. C'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière dans la mesure où les conditions sociales de la population demeurent précaires, mais il a beaucoup contribué pour la paix, l'unité et surtout la concorde au niveau de la classe politique. C'est une grande perte pour l'Église catholique universelle, c'est une grande perte pour le pays, la famille, mais aussi une grande perte pour le monde, parce que vous savez, il a joué un grand rôle, même au niveau du clergé africain. On a papa cardinal Mosengo Pasini à Laurent. Les alli monter ma passe mingi. Parce que tu as dit que tata cardinal a potika la lissou mikolo ebele na biso a kende lissou liboso. Tu as dit qu'il y a qui zinga zinga ya pape. Et tu as dit qu'il y a comment on a valeur à Zala Kinango, comment on a compétence à Zala Kinango, sens et autorité, mais sens et kolinga, ba droit na intérêt à la population. Toloba ki ke mokolo mokili, yo kanisa Afrique, o bazo luka pape, ba kanisa pe Afrique, papa président, papa cardinal, à Zala ki na ba capacité wana, to tia ki elikia, ke Congo pe kote le maïsika wana. Menzambe a décidé autrement. To souhaiter kaka papa cardinal ape manaki mi nzambe a yambaye ape saye esika kitoko kuna nanda konaye papa cardinal azalaki ko bunda pona population na biso certes prince de l'église certes prince d'état mais surtout protecteur ya ba droit ya population abundi mingi na ndenga bosango mais abundi mingi pour que mboka na biso ekende biso pe ba population na biso pe ba koma na niveau ya liberté na niveau ya démocratie na niveau ya paix pe na niveau ya droit mon kako soit pour na papa cardinal Laurent Désiré Laurent Mosengo Pasini. Vous savez, nous sommes dans la tristesse de venir prendre le corps. Mais vous savez, le cardinal Laurent Mosengo Pasini, c'est une figure de proie dans notre pays. Je garde de cet homme doux, d'une voix très tendre, une rigueur et une pertinence, une intelligence, je peux dire, éclairée. Parce que vous savez, Laurent Mosengo a été le précurseur des valeurs. Et aujourd'hui, nous avons obtenu l'alternance. Et je crois que c'est un homme qui a aussi lutté pour les valeurs de la démocratie au Congo. Par moments, il était incompris. Mais je garde de cet homme vraiment une de croix essentielle, un de maillon de notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi de toute l'Afrique. Vous savez, sur le plan scientifique,
C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur dans la sélection des professeurs, parce qu'il était en tant que président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. Vous savez, c'était un homme rigoureux et un homme qui a voulu que l'enseignement ait une autre dimension, la dimension du savoir, la dimension de l'être et la dimension aussi de, je crois, du savoir-faire et même une dimension créatrice. Parce que je suis passée par là, l'Université catholique du Congo, et je garde de cette université, émanation de Laurent Mosengo Pasigna, un grand souvenir. Et je remercie les pères de l'Église pour cette formation. Vous savez, Laurent Mosengo, c'était une figure de taille en tant que conseiller du pape. Il a su montrer à tous les Congolais l'importance des valeurs démocratiques, des valeurs d'Église, mais des valeurs chrétiennes. Nous regrettons, nous aurons bien voulu qu'il assiste à cet avènement jusqu'au bout, la continuité de voir ce pays se développer. Ce pays riche, tant reconnu par tout le monde, disons occuper une place de choix en Afrique et bénéficier des avantages et de ses potentialités. Il part, Dieu l'a décidé ainsi, et nous nous inclinons à la volonté céleste, mais nous perdons un grand homme en Afrique, un grand homme au Congo.
tâche yango kanabiso. Awa toza na dikambo église ité. Bref, le général Sonny Kafuta Rockman à sa présent. Moi, je suis là. Depuis 8 ans, tu y es la patriarche. Monsengo Azala qui idole pour Nabiso. Monsengo n'était pas des églises du réveil, mais Monsengo c'est un barbare. Monsengo c'est un leader. Il a mérité honneur. Les autres personnes qui ont honneur sont qui a koufi. Mais le mouton y a lali c'est un barbare. Congo est bungi si kake vekite, mais Congo est bungi si moutou. Oyo soki a telemi solution et soami. Yango moi étant qu'évêque de l'église du réveil. Toute l'église est awa toye kole la patriarche. Yam cardinal Monsengo Pasigna, merci beaucoup. Ezangai Gédéon, c'est son dernier conseiller chargé des questions politiques, diplomatiques et sécuritaires. Na 2020, le 25 décembre 2018, a nommé un conseiller spécial en matière de sécurité, politique et diplomatique. Et le 25 décembre 2020, à Longolinga conseiller spécial, c'est un conseiller privé jusqu'à dernier jour au matin avion et ça qui engage. Quand ils ont voyagé pour Kende, dans ce métro, les derniers motos ça qui n'est pas pied d'avion et ça engage. C'est-à-dire, dans ça, il y a dernier conseiller naie. Engage vraiment, mais dans ça, on va régler ma casse pour la papa engage. Parce que ça, papa mon corps vraiment, papa mon monter à ma lampe. Vraiment, dans une émotion qui a pour le baptême de Konangaï. Nous ne sommes pas en train de faire des mais nous avons toujours beaucoup de l'Italie qui dit que le métro qui dégage. Et en tant que conseiller stratégique, chargé à la question politique, diplomatique et sécuritaire, nous continuons toujours beaucoup d'habitude à battre les gens pour l'intégrité territoriale et pour la vie de la démocratie. Merci vraiment à la CP, vraiment, et pour la force de la politique, vraiment. Nous devons faire un peu de temps, vraiment, pour que les pays grises, vraiment, nous avons bien satisfait.
destination. On a ça direct dans le solo. En tant qu'évêque, parmi les évêques des églises du réveil, parmi quelqu'un qui a ça aimé dans le thème de Batou. Il y a la patriarche, il y a l'église, corps du Christ, mais en général. Parce que Dieu nous a mis à sa religion. Dieu est esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Amos, pardon, de Job, chapitre 30, verset 23, Bible dit la mort c'est un rendez-vous de tous les vivants. La mort c'est un rendez-vous de tous les vivants. Patriarche Mosengo Pasigna, a sali que volonté en Nzambe. Mosengo n'est plus même Missala Netikali. Bisonga na yekole la Mosengo pour l'église du réveil. Mais na yekole la Mosengo parce que Nazaki idole na ye. Azalaki idole nga. Voilà pourquoi na ye d'honorer patriarche. Oyo atiki biso. Bande konyoso bokolanda biso na mosolo na politique. Chaîne excellent, voyez ma que voyage Zawa. Icône de la prophétie congolaise Nazawa. Nazana Moko et pasteur Nanga Apôtre Michel, Toye Kolela, patriarche Mosengo Pasigna. Ok. Avancez, avancez. Tu vas me payer. Sinon je vais te payer. Danse. Papa. Papa cardinal. Papa cardinal. Papa cardinal, souris-moi, non? Souris-moi, non? Bien désiré, tout le monde est en train de se faire.